concerne le renouvellement de la DSP pour la gestion des marchés découverts alimentaires. Tout d'abord, notre groupe s'interroge sur la nécessité absolue, comme il est dit, de retenir le principe d'une DSP, alors qu'il pourrait être envisagé que toute ou partie des missions confiées aux entreprises retenues soit prise en charge par une régie. D'ailleurs, on le voit à travers le futur cahier des charges, puisqu'il prévoit un partage du nettoiement au début et à la fin des marchés, alors que tout cela aurait pu être fait par la DPE. On peut également s'interroger sur la nécessité d'avoir recours à un prestataire pour installer ou désinstaller les barnums des marchés. Le faible nombre de prestataires opérant sur ces activités est un facteur supplémentaire d'interrogation sur le bien fondé d'un recours à une DSP. Nous nous interrogeons également sur le choix qui est proposé de n'avoir plus que 2 lots au lieu de 3 sur le territoire parisien. Au cours des années passées, nous avons constaté que l'allotissement était un facteur d'accroissement d'une concurrence non faussée, permettant notamment à des acteurs moins puissants ou nouveaux de se présenter, et les marchés de la propreté ont démontré tout l'intérêt de recourir à cette technique. Nous ne croyons pas du tout que limiter le choix à 2 intervenants soit de nature à accroître la concurrence, bien au contraire. Nous avions noté également que rien n'empêchait le même opérateur d'obtenir l'intégralité de la gestion de Paris. Vous avez déposé un amendement de l'exécutif indiquant qu'une clause de non-cumul serait intégrée dans le cahier des charges. C'est une bonne décision. Je pense qu'Éric Hazière en sera d'accord. Vous indiquez que les marchés subissent une perte de fréquentation, surtout en semaine. Cela ne nous surprend pas puisque les études sur la consommation des ménages mettent en évidence des changements de comportement avec une diminution des achats en grande surface au profit des commerces de proximité notamment. Dès lors que l'on voit une redynamisation de ces commerces, et il faut s'en féliciter et ne pas s'en étonner, les marchés en subissent nécessairement la concurrence et la contrepartie. Et ce n'est pas par une animation plus forte qu'on inversera cette tendance, nous n'y croyons pas. Nous aimerions en revanche qu'on se penche sur la façon de favoriser davantage encore l'économie sociale et solidaire, la capacité d'acheter du bio et les productions issues des circuits courts. Faut-il prévoir une diminution de la redevance pour ces commerçants? Faut-il réserver davantage d'étals? Faut-il que la ville mette en place d'autres dispositifs? Nous souhaitons qu'on puisse y réfléchir rapidement compte tenu de la durée de la DSP, afin qu'on n'attende pas 6 nouvelles années avant de voir évoluer encore plus nos marchés. Je vous remercie.